Le ministère de l'Éducation nationale est partie prenante de la mission de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens encore au Libéria. Pour son représentant, il est important de rassurer ces populations quant à l'avenir de leurs enfants dans le système éducatif ivoirien. Nous avons mis en place une plateforme d'insertion avec le Sahara qui nous permet donc de faciliter l'insertion de ces élèves dans le système scolaire ivoirien. Au niveau du primaire, l'intégration est systématique, c'est-à-dire qu'un enfant qui est rapatrié donc du CP1 au CM2, il intègre systématiquement son école. Des dispositions saluées par les autorités libériennes au cours de la séance de prise de contact et de travail avec la délégation. L'autorité du comté Gédé, lui-même ancien réfugié dans la ville de Guiglo, a réaffirmé l'importance pour un réfugié de retrouver sa patrie. Those that want to be here, they will get integrated because we have been looking at them. The history tells us that our background is from the Ivory Coast, and so the coffee that they left behind, so that they try to work around it because the security in the Ivory Coast is guaranteed. Des propos salués par la délégation. L'on est mieux chez soi, c'est le discours qu'ils tiennent et nous espérons que les efforts conjugués vont nous permettre d'avoir un résultat significatif en termes de retour massif. Ce mardi, les premières rencontres en cours avec les réfugiés du camp Pitipi, plus de 6000 Ivoiriens y sont encore répertoriés. Camp de réfugiés Pitipi dans le comté du Grand Gédé au Libéria. Ce mardi, il y a de la mobilisation. La mission du gouvernement ivoirien est en visite. Les réfugiés du camp hâtent le pas pour les écouter. J'ai mes frères ivoiriens qui sont arrivés et donc je vais les écouter. Vous êtes venus là, c'est très important. Vous êtes venus, c'est très très important. Ça peut nous faire changer d'avis. Le siège UHCR refuse déjà du monde. Les populations sont attentives au message. Tu penses que les gens armés sont toujours dans ton village? Tu penses que l'insécurité est toujours dans ton village? Parce que c'est l'image que tu avais lorsque tu es sorti. La situation a changé. La paix est revenue. La sécurité est revenue. Fin juin 2016, une enquête a été menée par le HCR auprès de 2802 ménages. Il apparaît qu'en dehors du traumatisme lié à la crise, les principales raisons évoquées par ceux qui ne souhaitent pas être rapatriés sont la sécurité et l'accès aux biens, entre autres. Tour à tour, préfets, représentants des ministères de l'Éducation, de la Défense et de l'Emploi expliquent les dispositions prises par l'État pour garantir le retour au pays. Sur 1752 dossiers que nous avons reçus, nous avons libéré 1225 maisons. Et on est en liaison avec les préfets, tous les préfets. Pour le HCR, le temps n'est plus à traîner les pas. Il faut que les réfugiés saisissent la main tendue. Je n'ai pas pris la parole pour demander aux réfugiés de rentrer dans leur pays d'origine si je n'avais pas l'assurance que la situation dans le pays d'origine s'est normalisée. Des propos salués par la communauté. Il n'y a pas de mot d'ordre à donner ici. Juste vous dire d'aller écouter et surtout d'exprimer ce que vous avez comme problème pour pouvoir rentrer. Ici n'est pas chez nous. La séance a pris fin avec des ateliers entre réfugiés et représentants de l'État et une photo de famille dans la bonne humeur.